Le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession a atterri dans la soirée du mercredi 5 novembre 2023 dans la capitale du Cuivre où un grand monde l'attendait, accueilli au pied de l'avion par Jean-Michel Samalou Kondé. Le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, s'est adressé au Louchou à la place de la Poste. Lieu du meeting, faites preuve de prudence envers nos ennemis, car lorsqu'ils étaient au pouvoir du Katanga, ils n'ont rien fait pour le développement de la région. Le gouverneur Kabula n'a pas construit son propre stade, ni créé une entreprise de transport privé, et n'a pas non plus mis la SNCC en faillite, a fait savoir le président Tshisekedi, qui a visiblement taclé Moïse Katumbi. De l'autre côté, Katumbi Chapwe Moïse a fait deux meetings à Lisala et à Bumba. Nous allons améliorer les salaires des enseignants et soldats contraints à un traitement des pauvres alors que les députés gagnent 21 000 dollars. Pour sa part, le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, est attendu dans l'espace Grand Équateur ce mercredi 6 décembre. Il proviendra donc de la ville de Kinshasa. Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, était le mercredi 6 décembre à Chikapa, dans le Kasaï. Contrairement à Délice Essanga ou Matata Ponyo, il a déclaré devant la foule qu'il ira jusqu'au bout. « Je ne me rapprocherai d'aucun candidat », a-t-il insisté. Cette nouvelle, le président Tshisekedi a déclaré au Financial Times que les discussions sur la corruption autour du vote du 20 décembre prochain étaient du bruit de l'opposition que la communauté internationale veut entendre. Il y a toujours des préjugés à l'égard de nos pays. Les gens pensent toujours qu'en Afrique, il y a de la triche à chaque fois que l'opposition crie au vol, mais ils sont toujours venus concourir aux élections. S'ils n'avaient aucune chance de gagner, ils ne seraient pas venus. Ils sont venus parce qu'ils pensent qu'il y a une chance. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a également indiqué que s'il perdait les élections, il acceptera sa défaite au nom de la démocratie. Présidentiel 2023, quel candidat propose mieux et pourquoi? C'est notre thématique du jour. Deux invités, M. Emmanuel Tshibambe, cadre UDPS et communicateur du parti. M. Emmanuel Tshibambe, bonjour et bienvenue dans Grande Tribune. Bonjour Don Zeng, je profite de l'occasion pour saluer également mon co-débatteur dont je n'ai pas droit de citer son nom. D'autant plus que vous ne l'avez pas encore présenté. Je suis un ancien journaliste. Ce sont les principes élémentaires d'un journaliste. Exactement. Permettez-moi ce réflexe-là, mais sinon je lui dis bonjour. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à l'ensemble de la population congolaise, surtout aux Louchoises et aux Louchois, pour l'accueil vraiment chaleureux réservé au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat de la continuité. Mieux vaut affiner, parachever le travail déjà fait, déjà commencé, plutôt avoir un candidat qui viendrait avec des paroles mielleuses, qui viendrait avec des velléités à pouvoir transformer le pays au moment où lui-même il a géré une partie du pays. Il a été dans un régime qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Nous avons vu sa gestion, la SNCC mise en veilleuse. On a vu comment est-ce qu'il s'est construit des stades pour sa propre équipe. Donc, et il pense que nous Congolais, nous sommes des amnésiques, nous souffrons d'Alzheimer comme lui, parce que c'est comme ça lui croit. Nous, en tout cas, moi et mes compatriotes ne souffrons pas d'Alzheimer ni d'amnésie. Donc, les Congolais sont assagis, ils savent que ce sont des discours politiciens. Donc, je demanderai à tous les Congolais de ne pas prêter l'oreille à ce candidat qui vous promet monts et merveilles. Pendant qu'il était ici, il n'a rien fait pour la population congolaise. Et je profiterai pour l'occasion pour demander à ses compatriotes, qui vont élire Félix Tshisekedi le 20 décembre, à pouvoir lui donner également la majorité à l'Assemblée nationale, au Parlement. Entre autres, voter aussi pour des candidats comme Emmanuel Tshibambe, parce que je suis candidat également dans ma circonscription ici à Kinshasa, à la Lukunga. Je suis le numéro 488. Donc je demande à toute la population de Malweka, de Mbudi, de CPA,
de Kintsuga Pêcheur, de Safrikas, de Boadi, de Verkis, Masangamamba, Sangamila, Kindele Libota, toute la circonscription, Kinshasa, Barumbu, quartier Mwaka, Beaumarché, Lingwala, Bovon, partout, votre candidat Emmanuel Tshibambila. J'ai porté votre combat pendant 5 ans, j'ai parlé au nom, à votre nom, pendant 5 ans dans le média. Cette fois-ci, je vous demande que vous puissiez m'hisser, que je puisse être hissé au sommet, que tout ce que j'ai apporté dans le média, que ça soit maintenant colporté cette fois-ci au niveau du Parlement. C'est pourquoi il faut voter les candidats 488 à la circonscription de la Lukonga, Emmanuel Tshibambe. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Tshibambe, UDPS, Tshisekedi. Alors, il y a une information, il y a une nouvelle qu'on a appris à Lubumbashi. Dany Banza, qui est cadre de l'Union Sacrée de la Nation, qui déclare qu'il ne veut pas voir le professeur Mbata à Lubumbashi. Mbata n'ose pas mettre ses pieds à Lubumbashi. Si on l'aperçoit, on va le griller. C'est quoi le problème? D'abord, je ne suis pas informé. C'est à peine que je viens de prendre l'information. Je connais très bien le conseiller Dany Banza, l'ambassadeur itinérant Dany Banza, je le connais très bien. Moi, je pense que s'il y a des mésententes dans une famille, il serait bien qu'on mette le point sur les i, d'où la sagesse africaine nous recommande de pouvoir laver nos linges sales en famille. Donc, l'ambassadeur Dany Banza étant de l'Union Sacrée, le prof Mbata également de même, surtout c'est lui qui est le secrétaire exécutif de l'Union Sacrée. Je pense que s'il y a des différends, ça ne peut pas se régler sur la toile ou sur la place publique. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas. C'est vous qui m'informez. En tout cas, je vais chercher à voir encore, m'informer davantage et je reviendrai pour vous dire de quoi il s'agit. Je vais vous montrer cette séquence vidéo qui circule. Je vais vous la montrer juste après l'émission. D'accord. Vous allez vous faire votre propre opinion. Monsieur Serge Tabouko, cadre communicateur de l'ECID, il est même dans l'équipe de campagne du candidat numéro 21, Monsieur Martin Fayoulou. Bienvenue ici à Congo Buzz une nouvelle fois. Merci beaucoup, cher compatriote, pour l'invitation. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Nous vivons dans un pays où tous les indicateurs sont au rouge. Aucun secteur de la vie n'émerge. Secteur sécuritaire, social, bref, dans tous les domaines de la vie, rien ne marche. C'est-à-dire, si nous vivons, si nous marchons, si nous sommes sécurisés, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on nous donne la parole, nous tenons d'abord, nous donnons la priorité à remercier l'Éternel. C'est même dans des pays africains ici, lorsqu'un compatriote se réveille, il a le temps d'appeler son conseiller, peut-être juridique, pour lui demander peut-être quelques informations. Quant à ceux, et peut-être il va appeler son conseiller médical, mais ici on n'a pas ce temps-là. Tu peux prendre le risque d'appeler ton médecin, mais quand il va juste déballer une facture, tu vas fouiller. Donc c'est pourquoi nous les remercions. Permettez-moi de dire également merci à tous les compagnons de lutte. Nous sommes, je crois, au dernier virage. Serons nos ceintures. Je crois, dans quelques jours ici, nous allons fermer cette parenthèse de triste mémoire. Et pourquoi pas saluer aussi les compatriotes des grands espaces Équateur qui vont recevoir les candidats de la cohésion nationale. C'est comme ça qu'il a été baptisé dans les grands Kasaï. Partout où il passe, c'est la foule immense qui est drainée. Et la différence avec les quelques militants qui viennent derrière Félix Tshisekedi de Katoum à coup de billets verts, mais avec Martin Fayoul, la population vient spontanée pour communier avec leur leader naturel. Pourquoi pas dire aussi bonjour aux co-débatteurs. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification de ceux qui nous suivent à travers votre émission. Merci beaucoup. Comment dire, l'argent de campagne de Martin Fayoulou, comment il a mobilisé ça? Bon, vous savez, pendant la campagne, il n'est pas question de fixer votre... Mais il n'y a pas de budget.
pour la campagne. Pourquoi pas avoir un budget? Nous sommes quand même une plateforme organisée, structurée. Mais ce n'est pas à moi de venir ici parce que je suis pas le trésorier. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais il y a beaucoup de candidats. Félix, Fayou, Katoumbe, ils sont là, je crois, c'est 26. Mais apparemment, tous les journalistes ont toujours les soucis de poser la, quoi, la question sur le budget de Fayoul. Qu'est-ce qui ne va pas? Fayoul, c'est quelqu'un, d'abord, si je parle de la personne Fayoul, cher compatriote Dan, il a travaillé dans une structure internationale, ExxonMobil, c'est connu de tout le monde. En 2006, il a été élu député provincial, député national. En 2011, pourquoi vous ne répondez pas clairement que M. Fayoul a fait ceci, cela, pour avoir les frais de campagne? Je vous en prie. Non, plus c'est la question, elle est un peu tendance. Quand il a répondu, même, je crois qu'il quitte, hein, par rapport à la question qui a créé un peu beaucoup de confusion ici, lorsqu'il a parlé, il a dénoncé des voleurs repentatés. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toujours, des questions un peu tendancieuses, tu auras l'argent où? Mais je vous dis que M. Martin Fayoul m'a dit, là où se trouve sa parcelle, soit sa concession, mais c'est dans les sommets de la capitale de Kinshasa. Tu ne peux pas avoir 1 million pour acheter la parcelle là-bas. Et lorsqu'il a acheté cette parcelle, il n'était pas encore député. Vous comprenez? L'actuel président nigérien, c'est son ami. Ils ont travaillé ensemble dans ExxonMobil. Vous comprenez? Donc ça, c'est un faux débat. En dehors de ça, dans une plateforme, il y a des contributions. Les partis politiques, ce sont des asbelles. Il y a des contributions des membres. Il y a des dons. Vous comprenez? Mais comment tout le monde focalise toujours les questions sur les moyens de Fayoul? Mais pourquoi vous ne posez pas à Fethi Tshisekedi? Fethi Tshisekedi, je crois, votre confrère Jean-Marie Kassam me pose la question. Monsieur le Président, pendant la campagne, vous avez promis aux Congolais, dès que vous êtes là, les Congolais seront à ton salaire. Qu'en es-tu? Il dit, au nom de Dieu, je ne connais pas mon salaire. Mais c'est chaque jour qu'il distribue des jeeps, des 500 jeeps aux députés, aux sénateurs, aux professeurs. Malheureusement, d'autres professeurs, jusqu'à aujourd'hui, attendent les jeeps. Ça ne vous dérange pas. Sinon, prenez le micro, allez là-bas. Surtout, vous êtes quand même un journaliste qui fait son travail avec beaucoup de quitter. Vous serez reçu. Il y a le trésorier qui est là, il va vous donner tous les détails. Donc, ce n'est pas quelque chose de caché ou de flou, mais nous regrettons un peu la manière dont la majorité des journalistes focalisent leurs questions. Quand ils sont devant Fayoul, au lieu de poser, par exemple, la question par rapport au projet de société, par rapport à qu'est-ce qu'il va faire, mais vous aurez l'argent. C'est un moment donné, ça gêne. Hein, un moment donné, ça gêne. Mais permettez-moi de dire un mot ici. J'ai attendu sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui dit on va voter les candidats de la continuité. Oh Seigneur, je suis où? La continuité de la balkanisation de notre pays? Parce que j'ai suivi quelqu'un dit ou lui pose la question, il va des médias internationaux. RFI et France 24, il dit je suis déçu, malheureusement les amis de Bounagana, Routour, Massis ne vont pas voter. Mais les journalistes lui retoquent la question, mais non, moins de 10 km de Goma, là il y a les sécurités à la porte. Il dit mais si tente. T'as que Goma, là, on va se battre. C'est-à-dire, Routour, Massisi, de l'autre côté, on ne va pas se battre. On attend se battre lorsqu'on va attaquer Goma. Et le candidat de la continuité, pour nous voler encore l'argent de RAM, pour détourner, parce que la même Papa Nemalemba dit ceci, depuis le Congo, depuis que le Congo existait jusqu'à aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on vole l'argent, comme pas possible, comme sous le régime de Félix. C'est José Panda qui nous rappelle ici que derrière Félix, tout autour de Félix, nous sommes des grands mafieux. C'est Modem qui nous parle que tout autour de Félix, ce sont des voleurs. Vous nous demandez de continuer avec ce candidat. Je suis déçu. On en parle tantôt. Monsieur Emmanuel Tshibambe, je vous donne la parole aussi. On va prendre 6 minutes chacun. Alors, notre thématique est bien mentionnée à l'écran. Présidentielle 2023, qui propose mieux et pourquoi? Merci Dan, je voudrais ici, j'ai entendu quelque chose sorti de la bouche de mon co-débatteur, je voudrais ici quand même porter de l'éclairage. Vous savez, je ne suis pas venu raconter ma vie, mais vous le savez que j'ai été nommé lors des dernières nominations en 2023. Le chef de l'État m'avait nommé comme membre du conseil d'administration de la Société Nationale de la Sonaïdroc. Qu'est-ce que je dis? La Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, Sonaïdroc en sigle. Donc, depuis une année, je suis là comme administrateur et j'ai beaucoup de rapports sur le pétrole au Congo, en Afrique et dans le monde. Et je suis tombé sur quelques documents, bien entendu, d'ExxonMobil. Ça, j'ai dit, j'ai des documents. Si vous voulez, je peux même vous envoyer. Et j'ai vu des différents
de différentes personnalités passées, là, entre autres mon aîné Martin Fayoulou, que j'aime bien. J'ai vu, j'ai les scores de M. Martin Fayoulou au Cameroun, je crois au Kenya, non, au Kenya, je crois entre Kenya ou Sénégal, un truc pareil. Et dans l'ensemble, hein, s'il faut que je résume, le parcours de M. Fayoulou a été piètre. Il a été piètre. Donc, les résultats... Sur les documents que vous avez. Oui, bien sûr. Je vous dis que ça fait une année que je suis dans le pétrole. Je suis administrateur de la Société Nationale des Hydrocarbures. Et quand j'ai des documents, quand j'ai des éléments sur toutes les filiales pétrolières, Exxon, Petrocam, Patrici, donc tout ça, Elf, tout ça, donc j'essaie un peu de voir. Et je suis tombé sur un document parlant des personnalités congolaises et qui soient passées à Exxon. J'ai vu Martin Fayoulou. Quand j'ai vu son nom, j'étais quand même aussi curieux de savoir, ah, mon aîné Fayoulou, bon, quelle a été sa gestion. Je t'ai dit, c'était catastrophique, piètre. Et je me suis dit, mais M. Fayoulou prétend un jour diriger la RDC, mais avec ce tel score. Je vous dis, le pronostic a été vraiment pas fameux. Je t'ai dit, il a même été viré à Exxon. Je vous dis, il a été viré à Exxon pour cette contre-performance. Alors, quand je prends ça, quand je ce pronostic-là d'Exxon Mobil, je vois la manière dont son hôtel Fadenhaus a été géré. Vous savez qu'avant l'entrée de Fétusserie, Fadenhaus a été scellé près de 2 ans. Alors, quand je prends tous ces éléments, je le mets en musique, en connexion, je me dis, c'est un mauvais gestionnaire. Et un tel monsieur veut diriger la RDC. Bon, la RDC, un jour, ne seront pas étonnés de voir que la RDC soit scellée comme Fadenhaus. Et surtout dans cette période où le pays est agressé par le Rwanda, vous donnez la gestion du pays à Fayoulou, mais le Rwanda va nous sceller comme Fadenhaus. Donc moi je pense qu'au Congolais qui nous suivent, le Congolais sérieux ne peut pas faire foi à Martin Fayoulou comme gestionnaire. Parce qu'il prétend gérer ce pays un jour. Sur ce point, moi je dirais non. Si bon, ça je parle de M. Martin Fayoulou. Permettez-moi aussi de parler de M. Moïse Katumbi. Non, parler du président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il propose de mieux pour les 5 prochaines années? Le président Félix Tshisekedi, oui. Lors de son accession au pouvoir en 2019, il nous a dit qu'il va instaurer un état de droit. Vous savez, quand le chef d'État avait dit qu'il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique, beaucoup de gens ont fantasmé sur ça. Même ceux qui prétendent être professeurs d'université, ils ont 1000 diplômes plus que nous. Ils ont tronqué l'existence ou le concept, le propos du chef d'État. Ils ont voulu tronquer ça. Tronquer, je disais. Quand le chef avait dit qu'il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique, en Allemagne, il y a l'état de droit, oui ou non? Oui. Et tu sais qu'il a instauré, oui ou non, il a instauré l'état de droit au Congo? Oui. Donc, nous avons copié l'Allemagne. Est-ce que l'état de droit ne se décrète pas? C'est un état évolutif. Mais justement, c'est évolutif. Aujourd'hui, non, ce n'est pas moi qui l'ai décrété. Ça se décrète comme vous le dites, mais c'est un état évolutif, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, je vous donne quelques cas d'illustration. Parfait d'ailleurs. Avant que tu sois au pouvoir, est-ce que Dan Zeng aujourd'hui, vous, à l'époque, bon, prenons l'exemple, prenons le régime passé de M. Joseph Kabila. Est-ce que si vous aviez un problème avec un dignitaire du régime Kabila, un général, un ministre, je ne sais pas, un proche de Kabila, est-ce que vous auriez eu le courage de lester en justice? Non. Parce que vous saviez déjà que même si j'y vais en justice, je connais déjà le résultat. Je connais déjà le sort qui serait réservé pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons vu des généraux en fonction. Nous avons vu des ministres en fonction défiler lors du procès 100 jours. C'est ça l'évolution d'un état de droit. Tout à fait. C'est ça l'exploration d'un état de droit. Les exemples sont légion, si on peut fractionner. Si on peut aller secteur par secteur, oui. Qu'est-ce que Tshisekedi propose de mieux, par exemple, prenant les secteurs
la justice particulièrement, l'état de droit. Qu'est-ce que le chef de l'État propose pour les 5 prochaines années de mieux que ce qu'on a vu pendant les 5 ans où il a dirigé le pays? D'accord. D'abord, il a eu à instaurer l'état de droit, nous sommes d'accord. Ce qu'il propose dans ce secteur-là, vous savez, dans toute famille, dans tout ensemble, il ne manque jamais des brebis galeuses. Il ne manque jamais. Vous avez appris, il y a un juge aux États-Unis, je crois aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire, il y a un juge qui a... en Belgique, je crois en Belgique. Vous avez vu le ministre de la Justice qui a démissionné en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un juge qui avait pris une décision de pouvoir expulser un arabe, je crois un algérien ou bien un tunisien. Il a pris la décision de pouvoir expulser cet arabe là, mais il l'a pas exécuté. Lui-même s'est dit il a oublié. Alors le ministre de la justice a dit quoi? Non, ça c'est une faute grave, il s'est vu concerné, c'est dans son secteur, il a démissionné. Ça veut dire que même en Belgique, ça peut se passer. Là où ce sont des pays frères, des pays d'exemple, où nous copions d'exemple. Ça se passe partout, même les brebis galeuses. Dans le secteur de la justice, le chef d'État, après avoir instauré l'état des droits, il y a beaucoup de magistrats qui ont adhéré dans la vision du chef de l'État. Mais comme dans un ensemble, il ne manque pas des brebis galeuses, il ne manque pas des renégats, il y a quelques magistrats qui n'ont jamais compris la vision du chef, qui se sont vautrés dans des pratiques que nous décrions. Mais ils sont quand même mineurs aussi, hein, c'est pas... Mais la majorité ont accédé dans cet esprit, dans cette vision du chef de l'État. Alors, le secteur de la justice était une réussite pendant les 5 ans. Moi, je dis que c'était une réussite. C'était une réussite, nonobstant ce groupe de magistrats véreux qui continue toujours dans cette pratique éhontée que nous avons tant décriée. Non, ils sont mineurs, hein, mais dans les 5 prochaines années, le chef d'État va encore peaufiner dans ce secteur-là pour extirper le reste de magistrats véreux qui continuent à ternir l'image de la justice. D'accord. Hein? Dans les 5 prochaines années, le chef d'État va s'atteler sur ça pour expurger tous ces magistrats véreux. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Chimay, pour cette... cette entrée en la matière, secteur de la justice, il a peint un tableau. Alors, monsieur Serge Taboko, vous avez un candidat, monsieur Fayoulou, à la présidence. Qu'est-ce que vous proposez de mieux pour 2023? Choisissez les secteurs, n'importe lequel. Dites-nous ce que vous proposez de mieux. Merci beaucoup. Je pensais, quand je vis le co-débatteur, je croyais participer dans un débat. Un débat de haut niveau, surtout qu'il est aux affaires. Il faut, je vais vous donner un conseil. Nous sommes dans un débat dans la guerre des idées. Inutile de vous attaquer. Vous pensez que vous allez me travailler psychologiquement. Je suis un expert dans ce domaine-là. Je vous promets déjà que si vous ne serez pas, vous le stoppez pas, vous allez abîmer. Non. Je vous promets déjà que vous ne serez pas à mesure. Si vous entrez dans ce lot-là, vous ne serez pas à mesure. S'il vous plaît. J'ai déjà sorti un mot d'insulte ici. Mais c'est une insulte que vous avez fait. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas déranger l'émission. Je vous convie de rester dans le sujet qui nous sont débattus. Ne donnez pas l'impression que ces médias ici vous appartiennent. S'il vous plaît, monsieur Emmanuel Chibambe, s'il vous plaît. Ne donnez pas l'impression que vous avez les monopoles si les journalistes. S'il vous plaît. Donc, je pensais participer dans un débat de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il est aux affaires. C'est-à-dire qu'il nous a mené quand même des données par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Ouais. Et surtout que nous sommes pendant la campagne, nous dire voilà, Congolais, voilà ce que le président, mon candidat, a pu faire, voilà ce qu'il n'a pas pu faire, et voilà ce que nous vous promettons de faire lorsqu'il aura, par exemple, le second mandat. Et parce que c'est vraiment une utopie, ça n'arrivera pas. Mais ici, il tombe dans des incantations, dans les colibés. Il dit, par exemple, il a en possession de toute la documentation de la société ExxonMobil et il a vu quelque part que M. Fayoul a été viré suite à son incompétence. Alors, je le mets au défi qu'il nous amène dans une autre mission, dans un autre débat ici, les documents démontrant noir et blanc que M. Martin Fayoul a été chassé de cette société à cause de son incompétence. Je viendrai demander pardon et je vais battre mes campagnes à son nom. Je vais battre, puisque nous, on n'a pas aligné les députés, je vais battre campagne à son nom. Donc, on appelle ça une dépense de Kadiocha. Il n'est pas à l'antenne, il sait comment M. Martin Fayoul a été baptisé par Papa Tshisekedi, le commandant du peuple.
Et même les jours de la prestation de serment de Félix Tshisekedi, dans leur famille coalition avec Kabila, il a dit, je tends ma main au commandant du peuple. L'homme sur qui nous sommes bâtis des années pour amener ces pays dans l'état, ou soit de transformer ces pays. Donc il faut... Et notre colibé, il dit ceci. Faden a été scellé pendant 10 ans. Est-ce que lorsqu'il va prendre la parole pour la seconde fois, il peut nous dire, sous le régime de Kabila, l'hôtel de Martef a été scellé. Pour quel motif? Et qui a réouvert cet hôtel? C'est fait ici en 2019. Voilà. Quand il va prendre la parole, il précise quand même à ceux qui nous écoutent. Mais il sait comment M. Martin Fayoulou a subi le régime de Kabila. Si sa chair, il a failli être tué ici. Et les images existent. En même temps, lorsque Fayoulou se battait, elle et son président, ils négociaient avec Kabila. Ils étaient en Espagne, ils étaient en Italie. Ils faisaient des courbettes derrière Kabila. Vous comprenez? Donc il ne faut pas venir salir la personne qui est un peu... Même Mata a dit, les images existent, je n'ai jamais vu un opposant crédible comme Martin Fayoulou. Je crois aux États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas venir raconter ta vie ici. Et mais par rapport à votre question, j'ai dit ceci. Depuis juillet 2022, les 11 juillet précisément, et 11 au 14 juillet 2022, nous sommes allés à Kisangani, ça c'était notre dernier congrès. Nous avons produit ce document ici, qu'on appelle le manifeste de Kisangani. Nous avons une vision, on a un projet de société. La vision pour notre candidat qui est soutenu par son parti politique et la plateforme, et la Mouka, c'est bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et nous avons un projet de société, c'est-à-dire investir dans les citoyens congolais pour le développement de ces pays. Après avoir consulté toutes les parties, soit les couches sociales, nous avons résumé quelques défis. Et ce sont les 18 défis que nous avons condensés dans ces documents ici que nous appelons les manifestes de Kisangani. 18 défis. Les 18 défis. Et ces 18 défis sont répartis en 4 blocs, 4 axes. Le premier axe, c'est les 4 prérequis. Le deuxième axe, c'est les 6 priorités. Le troisième axe, c'est les 6 autres défis. Et le quatrième axe, c'est les 2 grandes réformes. Mais comme on a un problème d'État, je vais prendre juste les 4 prérequis. En combien de temps comptez-vous le faire? Ça dit dans 5 ans. Nous sommes en train de projeter un budget là de 38 milliards. Nous y allons toucher juste le secteur de la sécurité. Parce qu'on ne peut pas parler d'un quelconque développement dans la gestion d'un État moderne lorsqu'il y a l'insécurité. Je crois que vous avez suivi même notre nez ici, je l'ai sali avec beaucoup de légèreté. À Lingetti qui part aux États-Unis d'Amérique, il appelle les investisseurs, il dit venez au Congo parce qu'il y a la paix, la guerre, nous regardons la télévision. Un investisseur sérieux ne peut pas venir dans un pays où il y a la guerre. Donc nous sommes en train de réfléchir. Dans le secteur de la sécurité. Dans le secteur de la sécurité, d'abord, nous allons mettre en place une structure, c'est-à-dire une unité spécialisée de sécurité pour sécuriser l'espace, c'est-à-dire nos différentes frontières entre le Rwanda, l'Ouganda et Burundi. Et nous allons... En combien de temps? Ça, c'est en court terme d'abord. En court terme. Parce que dans 5 ans, nous sommes en train de projeter une armée de 500 à 600 000 hommes. Et nous sommes en train de réfléchir également que chaque homme, c'est-à-dire chaque militaire, touche au minimum... Au minimum, 700 à 800 dollars. Chaque militaire. Ça, chaque militaire. Ça dit, ça, c'est la ressource humaine. Parce que si vous négligez cette ressource, c'est compliqué. Quand vous payez un militaire et 240 000, et à la fin du mois, vous retranchez encore 10 000 francs. Très bien. Comment il sera motivé? En dehors de ça, placez un cas précisément à Goma. À Goma. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'est un secteur sensible que nous allons mettre beaucoup d'énergie pour qu'il y ait la paix, et lorsqu'il y aura la paix, à ce moment-là, on parlera du développement, parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont sensibles. Mais dans le cadre prérequis, je parle rapidement. Il y a d'abord... Je reviens derrière vous incessamment pour vous donner... Parce que je sais que vous avez votre projet société est vraiment bien conçu. C'est beau à voir, c'est beau à lire. Mais la mise en œuvre, peut-être, on ne sait pas si ça peut vraiment... Je vous en prie dans 30 secondes. Je vous en prie dans 30 secondes. Facile à... Je vite, j'interdis à ceux qui sont aux affaires aujourd'hui.
L'erreur d'un gouvernement, lorsqu'on prend le pouvoir, parmi l'erreur d'un gouvernement, notamment, c'est corriger des erreurs. Très bien. S'il y a des gens qui ont détruit, soit les sociétés, les entreprises, de l'État, mais vous avez le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? On y revient. C'est corriger les erreurs. Je reviens vers préserver vous. Les acquis, imprimer la nouvelle donne. Qu'est-ce que vous avez préservé? Qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu de venir continuer à faire des incantations ici, il a détruit ça, il a volé ça. Et bien vous êtes aux affaires, qu'est-ce que vous faites? Je reviens vers vous, monsieur Serge Taboko. Vous avez parlé du secteur de la sécurité, 38 milliards l'an, former une unité spéciale à court terme pour combattre l'insécurité et rétablir la paix. Ça, c'est à court terme. Oui, oui. Donc, ça n'excède pas une période de 2 ans maximum, 2 ans maximum pour mettre fin à cette insécurité. Monsieur Manuel Chibambe, avant que nous puissions prendre l'autre volet, que pensez-vous de ce que dit, propose monsieur le pasteur Serge Taboko? Est-ce que 38 milliards l'an, mettre le quartier général de FRDC à Goma, c'est ça, à Goma, et puis mettre en place cette unité spécialisée pour mettre fin à la guerre. Que pensez-vous ou à l'UDPS? Ça, c'est une élucubration fantaisiste de la part de nos amis de Fadenhaus. Il a dit ici que tout le monde connaît Martin Fayulu, il a ceci, il a acheté des parcelles, tout ça à Goma. Je veux que nous puissions un peu rétro-pédaler. Peu avant le départ de M. Kimbuta à la tête de la ville de Kinshasa, vous avez appris un scandale. M. Fayulu qui est allé faire un prêt, solliciter un prêt chez M. Kimbuta de 40 000 dollars. Et vous avez appris comment est-ce que Kimbuta avait expliqué d'où provenaient ces 40 000 dollars. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, M. Fayulu n'a jamais honoré cette créance vers M. Kimbuta. Quelqu'un qui a de l'argent peut aller faire un prêt de 40 000 dollars. Et nous avons, je ne confirme pas, il faut, là maintenant vous me pousserez en tant que journaliste de pouvoir activer encore mes sources. Nous aurions appris que même la parcelle dont on nous vante ici ne serait pas propriété privée de M. Fayulu. C'est vrai qu'il... Je n'ai pas le conditionnel. C'est pourquoi j'ai dit, ça me pousse encore de pouvoir activer mes parfois, sources. Parfois qu'on entend que cette parcelle appartiendrait à Samuel Eto'o. Voilà, c'est ce que nous apprendrons. Écoutez. Je ne peux pas perdre mon temps pour ça. Mais seulement, je vais dire mon co-débatteur que M. Fayulu n'a jamais été un bon gestionnaire. Où se trouve Kinbouf? Dites-nous. Je vous ai donné des éléments. Vous devez être d'ailleurs content que je vous ai donné des éléments que vous n'avez pas. Vous êtes un intellectuel autant que Fayulu. Ne vous soyez pas berné, ne vous faites pas berner. Un intellectuel, lorsqu'il apprend, il fait des recherches, il découvre, puis il confronte les sources. J'ai des éléments. Rapprochez-vous de moi, je vous donnerai des éléments. Le passage de M. Martin Fayulu à Exxon. A été renvoyé. Je vous dis, vous n'avez pas ces éléments. Et lui, il ne vous le dira jamais. Mais vous avez quelqu'un qui porte tous ces éléments au lieu de dire, tu m'as dit merci, vous êtes là. Non, messieurs, sont sérieux. S'il vous plaît. Sont sérieux. Je ne suis pas venu ici quitter chez moi d'Engalima jusqu'ici pour venir faire ce que vous dites là, non. Sinon, j'ai mieux. Je suis un candidat. Je serai en ce moment dans ma circonscription en train de battre ma campagne. Mais je ne suis pas ça. Dites-nous maintenant. Puisque vous dites que c'est qu'eux proposent du point de vue sécurité. Ce sont des élucubrations fantaisistes, ce sont des chimères. Qu'est-ce que vous proposez? Non, mais tu sais qu'il a proposé. En quoi c'est mieux ce que vous avez proposé du point de vue sécuritaire, monsieur Manuel? Écoutez, du point de vue sécuritaire, parlons-en. Oui, oui. Vous savez, Dan Zeng, en 2019, il faut qu'il note. Parce que même eux, à Fadenhaus, n'ont pas ces éléments. En 2019, vous savez, moi, j'étais conseiller du vice-premier ministre, Maître Daniel Asselo, que je salue. VPM de l'intérieur. J'ai parcouru avec le VPM Daniel Asselo à l'est du pays. Cher ami, nous avions plus de 160 groupes armés. Et aujourd'hui, nous en sommes à moins de 50. Dites-moi, c'est une réussite ou pas? Je n'ai pas dit qu'on a éradiqué. Le souhait est tel qu'on puisse éradiquer tous ces groupes, que nous ayons zéro groupe armé. C'est ça le souhait. Mais de 160 groupes à moins de 40, 50,
je dirais que tu serais là à travailler. Personne ne dirait le contraire. Mais par rapport à ce que nous avons sur le terrain aujourd'hui, nous avons les M23 qui occupent des pans entiers du territoire dans l'est de la RDC et qui exigent les négociations directes avec le gouvernement de Kinshasa. Nous avons 145 territoires. Il n'occupe même pas un seul territoire. Nous en avons 145. Je ne néglige pas les. Ils sont dans une partie des villes de Massissi. Oui. Ils sont Massissi, oui. Et Rutshuru. Oui. Ils sont dans la ville de Massissi ou Rutshuru, je crois, Mouchak et tout ça. Ce n'est pas tout un territoire. C'est une partie de Massissi. Voilà, très bien. Je n'aimerais pas que les gens puissent fantasmer sur ça, que les gens puissent mal me comprendre. Je ne suis pas en train d'acclamer le M23. Mais c'est un mouvement qui nous. C'est un mouvement sous-traité par le Rwanda. C'est un secret des Polichinelles qui nous fait la guerre ici, avec l'appui financier, matériel, humain du Rwanda. Ils nous font la guerre. Et nous sommes là en train de prendre toutes nos responsabilités. Monsieur Manuel Chimabi, il vous reste pratiquement 1 minute 30. Dites-nous, face au M23, quelle recette comptez-vous appliquer à nouveau? Face au Rwanda, le chef de l'État l'a dit, nous avions aussi un problème dans notre armée. Nous avons requinqué l'armée. Nous avions un problème d'armement, du ravitaillement avec l'embargo. Nous avons réussi à la levée du régime de notification. Des notifications. Nous sommes en train de nous réorganiser pour venir au bout de ce mouvement sous-traité. À court terme, cher ami, vous savez, lorsqu'une guerre commence, tout le monde le sait. Mais quand elle finit, lorsqu'elle prend fin, personne ne le connaît. L'exemple le plus éloquent, vous avez ici la Russie qui nous a dit, Poutine nous a dit que j'y vais à l'Ukraine pour renverser le régime de Zelensky. Parce que c'est un régime rebelle, il a avancé des raisons. Et je ne ferai même pas 2 semaines en Ukraine. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 ans, presque, à 2 ans. Donc, quelques mois, au mois de février, ça sera 2 ans. Pour vous dire que lorsque la guerre commence, nous connaissons le jour où elle commence. Mais nous ne connaissons pas quand est-ce qu'elle prend fin. Donc, nous sommes en train de nous réorganiser pour faire en sorte que d'ici la fin 2028, d'ici la fin du mandat de Félix Tshisekedi, 2023. D'ici la fin du mandat 2028 de Tshisekedi, nous puissions faire en sorte. S'il vous plaît. Que nous puissions faire en sorte que tous ceux qui nous ont imposé la guerre puissent être expurgés du territoire national. Merci beaucoup, monsieur Manuel Tshibambe. Que pensez-vous, vous, à décider de ce que dit l'UDPS sur la résolution du conflit dans l'Est de la RDC? À court terme, un peu comme vous, mais eux, c'est avec. Les réformes au sein de l'armée qu'ils sont en train de mener. Quel est votre... Non, ils n'ont pas de ressources, ils sont limités, ils n'ont rien à donner pour la transformation, soit surtout pour le secteur de la sécurité, ils n'ont aucune ressource. Voilà, c'est pourquoi je donne conseil avec tout le respect que je dois à M. Tshibambe d'aller faire sa campagne. Vous n'avez plus le temps de passer dans les médias ici parce que vous n'avez plus la matière. Hier, quand nous étions avec vous à l'opposition, vous aviez quand même des éléments de langage. Et quand vous parlez, les gens vous écoutaient. Voilà combien il est tenté de barbiciner. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à votre question. C'est pour vous dire quoi? Est-ce qu'il va me dire que Kouamoutou ici et une grande partie des bandes qui est déstabilisée, c'est toujours Kagame? Kouamoutou ici. Même la semaine dernière, on a tué Maloukou. Messieurs, lorsqu'une partie de Maloukou est siégée par des Mobondo, les gens, la communauté internationale, le média sérieux ne diront pas que le Kinshasa est siégé par les sécurités. On ne va pas dire comme ça. Mais pour lui, si un territoire vaut par exemple 40 000 km, donc c'est si dans tous les 40 000 km soit siégé par les rebelles, à ce moment-là, pour lui, le territoire est occupé. Mais comme Maloukou est aujourd'hui occupé par des rebelles, mais la ville de Kinshasa est occupée par des rebelles. Qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse dire? J'ai dit Kouamoutou ici, Kouamoutou. Lui-même a répondu devant vos confrères de France 24 et RFI. Que là, on ne va pas participer aux élections. C'est quoi ça? On appelle ça quoi? C'est pas l'insécurité?
Parce qu'il vous dit qu'il y a la communauté internationale, il y a les rois Nougan, Kwamutu ici. C'est toujours Kagame Museveni. Ils n'ont plus de ressources. Donc, ils n'étaient pas préparés pour la gestion publique. C'est quelque chose de spontané pour eux. Et quand ils sont arrivés, ils sont tombés comme la cheville dans la soupe. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ils ont fait des réformes au sein de l'armée. Quelles réformes? Ils ont recruté des jeunes militaires. Permettez-moi d'avancer. Je rappelle aux Congolais qui nous suivent ici. C'est que M. Félix, le 22 septembre 2019, il dit aux Congolais ceci. J'ai trouvé une armée organisée, structurée. Une armée. J'ai trouvé une armée. Ça, je reproduis mot à mot les propos de Félix Tshisekedi. J'ai trouvé une armée structurée, organisée et équipée. C'est Félix Tshisekedi. C'est pas moi. Le 17 juin 2021, il dit ceci. J'ai reproduit également, mot à mot, les propos de Félix. J'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé ces problèmes de sécurité, je n'aurai pas reçu mon mandat de président de la République, vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il avait toutes les informations sur la capacité de l'armée. En terminant maintenant, le 7 octobre 2019, il dit ceci, je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Et aujourd'hui, quand il a fait leur fameux... Mais est-ce qu'il est en dehors de ses promesses-là quand il refuse de négocier avec les rebelles du M23? Non, ça c'est de la chimère. Quand il dit... Ça c'est un marché de vie. Permettez-moi de dire l'essentiel. Les jours qu'il a fait les passations, c'était le 24, l'ère fameuse passation est civilisée à lui et Kabila. Le 24 janvier 2019. La question qui me taraude l'esprit, pourquoi vous ne voyez que le côté négatif? Le budget qu'il a... Prouvez-nous le côté positif. Le budget qu'il a augmenté de l'armée, plus de 1 milliard de dollars. Vous êtes quand même un grand journaliste, un journaliste chevronné. Messieurs, les budgets, ce sont des prévisions. Les budgets, ce sont des prévisions. Mais il faut attendre la réduction des comptes. Ils ont généré combien? Votre fameux ministre là de budget, de finances, en train de chercher l'argent par-ci, par-là, ici. C'est déjà... Le peu d'argent qui génère là, il se passe dans leur poche. C'est une volonté déjà d'améliorer. Donc permettez-moi de dire ce qui est important, surtout dans ce secteur ici. Donc, M. Félix, c'est un échec cuisant pour lui dans ce secteur. Comment ça expliquer le... J'ai dit au mois de janvier, lorsqu'ils ont fait leur passation civilisée de pouvoir, il a trouvé 145 territoires. Hier, il pouvait partir à Bounagana. Est-ce aujourd'hui, M. Félix peut prendre l'avion Tshibambe qui me regarde ici? Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il peut vous prendre un avion, aller à Bounagana? Est-ce qu'il a signé les accords de CNDP? Pardon? Est-ce que c'est lui qui a signé les accords de CNDP? En 2009. Avec le CNDP. Monsieur Dan, il ne faut pas chercher à tomber dans les incantations de non, répondez-moi. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ne savaient pas qu'il y avait des accords. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ne savaient pas qu'il y avait des accords. Mais moi, j'ai même des propos de Kabuya. Kabuya dit ceci. C'est fini. Comme le préféré, c'est le pouvoir. L'essentiel, c'est la tête. Comme on a changé la tête, nous allons récupérer notre pays. Merci beaucoup. Donc, la vérité, c'est qu'ils ont sous-traité le combat de Papa Tshisekedi. Très bien. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été à la hauteur. C'est pourquoi ils sont incapables de mettre en exergue leur projet de société. Très bien. Ils ont eu des difficultés de gérer parce qu'il y avait des accords flous. Vous avez vu ici, monsieur Kaboun et Mouilang, ils sont venus avec un papier duplicataire pour dire en violation de l'article 78 de la Constitution qui donne au président de la République le pouvoir de nommer l'informateur. Il dit Kabila pour ça, c'est un député. C'est ce qui leur a mis en difficulté. Merci. Donc, ils n'ont pris des ressources. Très bien. Donc, ils aillent se reposer, qu'ils rentrent dans les affaires, laisser ceux qui sont compétents ici. J'ai fait allusion au candidat numéro 21, le candidat de la cohésion nationale. Vous l'avez vu au Kasaï, vous l'avez vu à l'Est. Il est partout populaire. Il a un mariage entre nous et le peuple. Respectez les donc, ces gens ici, laissez-nous en paix sincèrement. Vous êtes nos frères, nous vous aimons, mais allez faire autre chose. Respectez les temps. Mais si je parle avec beaucoup d'émotions, les Congolais, mais on parle aujourd'hui de plus de 6 millions de déplacés internes. On a compris. Ça ne les dérange pas. On a compris, monsieur Serge Tabouko. On a compris. Respectez, s'il vous plaît, le temps d'antenne. C'est ça même la démocratie. Alors. Monsieur Emmanuel Tshibambe, ce qu'ils disent sur le pouvoir, est-ce qu'ils ont nécessairement tort? Les promesses que vous avez faites, que le président lui-même a faites dans ses différentes tournées dans l'Est de la RDC, qu'il s'installerait à Goma, qu'il mettra fin à l'insécurité, que l'armée était en état,
est-ce qu'ils ont nécessairement tort? On en a conscience. Écoutez, oui. J'ai comme l'impression, mon co-débatteur se croit être sur une chaire en train de prêcher. Je voudrais aussi le rappeler que tu es sur un plateau de télé et surtout que je n'ai même pas des offrandes à mettre après ce que vous croyez. Je n'ai pas d'offrande. Nous sommes sur un plateau de télé, cher ami. Deuxièmement, je voudrais un peu faire apporter cette... Je voudrais quand même porter cette purification scientifique parce que j'ai senti sortir de sa bouche disant que Tshisekedi avait dit qu'il va mourir pour... Non, cher ami. Je sais, vous êtes des spécialistes à tronquer les propos. 7 octobre 2019. S'il vous plaît. D'ailleurs, je vais vous aider. J'étais dans cette délégation-là. Moi, j'étais là. Quand il disait... N'avait-il pas dit ça? Écoutez, je vais reprendre le propos du chef de l'État. Nous avons YouTube, nous avons des images. Si vous voulez, je vais vous donner. Il avait dit, il est prêt à mettre sa vie à péril. En péril, je reprends ces mots. Pour que la paix puisse être restaurée dans cette partie. S'il vous plaît, messieurs. Je vous en prie. On parle français. S'il faut que je mette ma vie en péril, c'est différent de mourir. C'est différent. Mais je dis, moi, je peux mettre aujourd'hui ma vie en péril. Je veux ma vie en danger. C'est pas que j'ai dit je vais mourir, non. Mais on parle français, messieurs. Il a dit ça. Mettre sa vie en péril, ça veut dire quoi? Il peut aller là où les gens croient que non, c'est impossible d'aller, par exemple. Il peut se dire, écoutez, moi, en tant que chef de l'État, en tant que commandant suprême, j'y vais, par exemple, à Béni, moi-même, au-devant de troupes. Il peut, ça, c'est aussi mettre sa vie en péril, comme l'avait mis le président Idriss Déby. Malheureusement, personne, il a été fauché par le bal. C'est ça, c'est un concept. Il faut maîtriser les concepts et les propos, cher ami. Il faut maîtriser les concepts et les propos. Il n'a jamais dit que je vais mourir pour que la paix regagne là-bas, soit recouvrée là-bas. Il n'a jamais dit ça. N'avait-il pas dit qu'à la fin de mon mandat, je dois mettre fin à l'insécurité? Il avait dit ceci. Oui. Vous avez parlé d'état-major, tout ça. Ça aussi, il y a un problème. Ne vous faites pas avoir par nos amis d'en face qui, à chaque fois, colportent très mal le propos du chef d'État, qui parfois tronquent même la substance des propos du chef de l'État. Le chef de l'État, quand il avait dit que ce serait une de ses missions de pouvoir envoyer l'état-major à Béni. Mais le chef l'a fait. Je vous ai dit ici, moi j'étais conseiller à la vice-primature de l'intérieur. Il y a eu l'état-major avancé à Béni. Installé depuis quand déjà? Mais oui, j'ai dit, il y a eu l'état-major avancé installé à Béni. Depuis quand? Mais je vous dis l'histoire, vous êtes un journaliste, renseignez-vous. Il y a eu de l'état-major avancé à Béni en 2021, entre 2021-2022. Pour quels résultats? Non mais, quels résultats? Ça c'est notre problème, c'est notre sujet. Moi j'y réponds à vos propos parce que les gens parlent beaucoup. Non, il avait promis qu'il va, mais il n'avait pas dit qu'il va... Il va délocaliser le camp Kokolo, la base de logistique, et la mettre à... Il n'avait pas dit ça. Il ne faut pas tronquer les propos du chef de l'État. Je vous renseigne que le chef de l'État, à l'époque, je crois, c'était le général Mala, Célestin Mala Moussensé, qui avait été le chef d'État-major de FARDC. On avait installé l'État-major avancé à Béni entre 2020, je n'ai pas de précision des années, entre 2021 et 2022. C'était fait. Le chef avait promis d'aller habiter. Il avait dit, il avait parlé en lingala. J'étais là. Je crois que c'était à Bukavu, à Goma, si j'ai bonne mémoire. Le chef s'est déplacé jusqu'à Béni, 12 jours à Béni. Il n'a pas respecté sa parole. Vous vouliez quoi? Qu'il reste là-bas indéfiniment? Non. Il s'est installé pendant 12 jours à Béni. Vous vouliez quoi? Est-ce qu'il a bien géré cette question-là pendant 5 ans? Quelle question? La question de l'insécurité. Mais je vous ai dit, cher ami, en matière de sécurité, on n'a jamais été à l'absolu. Vous pouviez être les États-Unis d'Amérique, mais un certain 21 septembre, je ne sais pas moi, ou 22 septembre 2001, 11 septembre 2001, il y a eu des tours jumelles qui ont été attaquées par Oussama Ben Laden. Le pays le plus sécurisé du monde.
s'est fait prendre par une attaque djihadiste, une attaque terroriste. Vous pouvez être la Russie, vous avez vu comment est-ce que Wagner a tenté, vous avez vu, donc c'est comme ça. Vous pouvez être la France, mais nous avons connu la situation de Charlie Hebdo, nous avons vu les attaques. Merci. Donc en matière de sécurité, on n'a jamais été dans l'absolu. Très bien. Il y a toujours des imprévus et des moments. Juste un mot, avant qu'on donne la parole à M. Kavoko, oui. Est-ce que vous pouvez promettre ici que si la population vous accorde un deuxième mandat, avant la fin de ce mandat-là, vous mettrez fin à l'insécurité totalement et que l'Est de la RDC sera pacifié et l'histoire applaudira Tshisekedi que c'est lui qui est venu mettre fin à l'insécurité des 30 ans durant. Ici, je voudrais rappeler et demander à tout mon peuple, à mes compatriotes, de pouvoir faire confiance au candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20. Qu'il renouvelle sa confiance à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va finir la guerre à l'Est si on lui reconduit comme chef de l'État. Si nous lui donnons le deuxième mandat, le second mandat, il mettra fin à cette guerre. Et l'histoire, laissez-moi affiner un peu ma réflexion. Et l'histoire retiendra dans ce pays que c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a mis fin à la guerre à l'Est et Tshisekedi rentrant dans le panthéon de l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. Pourquoi je demande à mes compatriotes écoutez, moi je suis de la même famille politique que Tshisekedi. Merci beaucoup. Je vous parle parce qu'en 2028, Tshisekedi ne va pas se représenter. Merci. Moi je serai là. Peut-être je serai, je dis peut-être je peux aussi être son dauphin. Dans ces propos ici, il faut les garder. C'est pourquoi je le parle avec vivacité. Je le parle avec véhémence à mes compatriotes. Merci. De pouvoir réélire, de pouvoir voter massivement Tshisekedi, parce qu'il est déterminé à mettre fin à cette guerre. D'ailleurs, je vous dis, avant que nous arrivions en 2028, cette guerre va retourner d'où elle est venue. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Tshibambe. On va prendre un autre secteur, la lutte contre la corruption et les détournements. Pasteur Serge Taboko, qu'est-ce que monsieur Martin Fayulu compte-t-il faire s'il est élu pour 5 ans pour que, je ne sais pas s'il va mettre fin ou s'il va réduire ces phénomènes? Qu'est-ce qu'il va faire? Permettez-moi d'abord, pour ce sujet, il a pris la parole pour la seconde fois. Permettez-moi de dire aussi quelque chose. D'abord, moi, M. Serge Taboko, en dehors de la lutte politique que je me suis engagé, je suis un homme de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Nous avions toujours donné conseil à notre compatriote Fétiseke. Il a peut-être obtenu dans sa vie ce que peut-être son père n'a pas pu obtenir toute sa lutte. Donc, nous l'avons conseillé plus d'une fois de ne pas déposer sa candidature. Mmh. Imaginez Fétiseki en 2018, malgré des maigres moyens qu'il avait avec son ami Kamere, Félix n'a jamais été élu. Mais partout, Congo central, la dernière, je crois la dernière image que j'ai envoyée même ici, c'est l'image de Lissala. Comment notre compatriote est élu à Kisangani? Il n'a jamais été élu. Nous connaissons. Mais tu m'as demandé de lever le débat. Non, ça c'est une contre-campagne. Je suis obligé. Oui, je suis dans le sujet. Mais quand tu parlais, je me suis fiché, compatriote. Tout de suite. Notez. Tout de suite. Deux compatriotes. Et tu y es, vous avez dit même à Kisangani. Ici, je crois que c'est à Kimpese. Il a été élu. Oui, même Kimpese ici n'était même pas capable d'avancer. C'est bien que vous, Afa Daniel, qui les avez, pas nous. Mais si vous voulez, je t'envoie des images. Est-ce à Kimpese, tu n'as pas vu? C'est faux, monsieur. J'étais à Kimpese, j'étais à Somolo. Tu n'as pas vu comment il était hier? J'ai accompagné le chef à Kimpese. À Lissala, je vais envoyer même l'image de Lissala. Si vous voulez, je vais vous envoyer, je vais condenser toutes les images, je t'envoie. À Lissala, l'ingénieur de la Félix lui a laissé même le micro. Il lui a donné même le numéro. Il dit si on te menace après moi, moi je ne vais pas le faire de mentir. Voilà, il dit si on te menace après moi. Voilà, et on demande même à Félix s'il peut nous monter même une seule toilette qu'on a fait ici. Parce que chaque jour, il parle des médias, 145 territoires. Les messieurs disent même pas une toilette. Ça, c'est pas moi. Je n'ai pas ce temps-là comme lui de passer dans les médias mentis. Voilà, tu vois. Vous comprenez mais vous abîmez maintenant l'émission. Vous abîmez maintenant l'émission. Je vais expliquer dans ton temps d'antenne, chers compatriotes. Je vous ai conseillé ici, dans mon propos introductif, d'aller battre ta campagne. Vous avez des propos mensongers. Hein. Oh là je suis mal à l'aise de faire l'émission avec vous dans cette. Mais quand la vérité vient, ça vous met mal à l'aise. C'est la vérité. Non, ce sont des propos mensongers. Répondez à ma question. Mais il me dérange, je ne crois pas en vous. Il me dérange. Il semble que vous êtes un homme de Dieu. Il me dérange. Et qu'est-ce que vous prêchez? Vous avez des mensonges. Monsieur Manuel, s'il vous plaît. Hein? Répondez à ma question. Donc, ça, c'est juste un cri d'alarme pour le respect
qu'on donne à notre compatriote Tshisekedi. Puis on a fait cette élite. Contrairement à tous ces parasites-là qui pensent que comme on faisait à Kabila, tout le monde donne tes alakawana parce qu'ils ont besoin d'argent. Vous comprenez? Donc nous demandons à notre compatriote, à l'île de Pessi, là, il y a quand même déjà Magro, aujourd'hui je ne vois pas de fils Moukoko. Ils se sont battus ensemble avec eux, mais aujourd'hui ils ont donné les deux, ils ont laissé fils Moukoko, on ne les voit pas. Ils sont nombreux là, les gens qui se sont battus, de laisser peut-être la chance à d'autres personnes de débriguer. Comment donc, Martin Fayoulou compte régler la question de la corruption et du détournement en 5 ans? Nous rappelons d'abord une fois de plus aux Congolais qui nous suivent qu'il y a un monsieur qui s'appelle Martin Fomadidi. Il a d'abord ici, je fais, je crois, dans 10 secondes, déballer son porte-robot. C'est-à-dire, il a, si on peut essayer de déballer tous les porte-robots de chaque candidat, Martin Fall, il va avoir 10 ici 10. C'est-à-dire, sur le plan, par exemple, intellectuel, on peut les classer avec Mukwege. Ça, c'est des intellectuels de haute facture. Mais à part lui et Mukwege. Ici, j'ai fait allusion à ceux qui sont restés dans la course. Bon, peut-être avec Imate. Parce que moi, je suis un homme de Dieu. Et peut-être Mouzito. Avec Imouzito. Vous comprenez? Et vous pouvez peut-être le classer ici par rapport à l'intelligence. Parce que Matata et ses sangs ont retiré. Il y a le Baïnde qui ont aussi fait des. Bon, peut-être aussi, il peut venir après. Vous comprenez? Maintenant, il y a un autre critère. C'est l'engagement, le patriotisme, le combat. Ça, Mukwege n'a pas fait ça. Fayoulou, c'est depuis 1990. Dans la conférence nationale souveraine jusqu'à aujourd'hui. Mais répondez à ma question. Ça, vous le troisième critère, c'est la probité morale. Là, même à l'Union sacrée, il n'y a personne. Lui ne vole pas. Il ne sait pas comment voler. C'est pourquoi j'ai dit qu'il peut avoir 10 ici 10. Donc, les seuls candidats, si aujourd'hui vous les donnez, vous allez encore retourner aux Congolais ce que nous avions perdu depuis l'arrivée de l'AFDE. C'est l'identité collective des Congolais. Nous l'avons perdu. Aujourd'hui, les Congolais deviennent la risée du monde. Partout, nous partons. Nous sommes devenus quoi? Donc, on peut vous tuer, on peut vous jeter dans l'eau. Partout dans le monde, les Indiens peuvent venir ici, même s'ils n'ont pas de documents, on peut les refouler. Mais les Congolais, si on vous prend, soit on vous jette dans la prison, soit on vous tue. Et on n'a pas un leader pour parler à notre nom. Et le leader s'appelle Martin Fall. Mais par rapport à votre question, mais j'ai dit ceci. Je vous ai parlé ici, nous avons ce qu'on appelle les quatre prérequis. Parce que dans nos 18 défis, je vous ai dit que nous avons divisé ça en quatre axes. Premier axe, c'est 4 prérequis. Deuxième axe, c'est 6 priorités. Troisième axe, c'est 6 autres défis. Et dernier axe, c'est les 2 plans de réforme. Maintenant, puis vous ne pouvez pas laisser l'état d'avancer. Dans les 4 prérequis, nous avons 1 d'abord. Redorer, soit retourner, imposer ce qu'on appelle l'état de droit. Si vous prenez seulement, bon, ici peut-être c'est occasionnellement, mais allez chez moi à Tchango. Vous allez voir chaque jour, soit Félix, soit ses amis, soit Kitibambe. Et ils ne viennent pas dans le sens normal et ils prennent le sens contraire. Quand on dit, non, on est à Bakoulou. Non, le chef de l'État prend le sens interdit sur. Mais je vous dis, tous ceux qui sont au pouvoir, il faut ça chaque jour. À Tchango, vous posez même la question. Ce qui régule là, ce qui régule le rourage, il dit, voilà, Bakoulou, papa, boutique, papa, balek. Vous comprenez? C'est ça qui joue. Nous allons imposer ce qu'on appelle la justice distributive. On va plus arrêter les gens comme on fait aujourd'hui. Ça, c'est l'état des droits. Deuxièmement, on va imposer ce qu'on appelle l'intégrité. Ça, on a déjà brossé ça rapidement. La cohésion nationale, contrairement à ce régime, ils ont divisé les Congolais. Imaginez Étienne Tshisekedi, l'idée, il a déstabilisé Mobutu, même depuis les années 90. Mobutu a pleuré ici à Kinshasa. Il dit, le monsieur là, il a fait tuer même mes militaires. Les images existent. Parce que derrière Étienne Tshisekedi, il y avait les Baswahili, il y avait les Bangala, il y avait tout le monde. Mais allez regarder l'IDPS de Tshibambe d'aujourd'hui. Ils ont créé même un fameux poste qui n'existe pas dans leur statut. Les présidents, les mêmes quoi. Les vice-présidents, les mêmes quoi. Les secrétaires généraux, les mêmes quoi. Les secrétaires généraux adjoints. 90% des mêmes coins. Les jeunes ici, si c'est ça, c'est la cohésion. Les jeunes ici, des parlementaires debout. 99%, les gens des mêmes coins. Ils sont venus déstabiliser, désarticuler le pays. Est-ce que certes, sous le régime de Kabila, on a tué les gens? Mais on n'a pas tué les gens au Congo central, au Kasaï, parce que c'était un conflit entre le Bakongo et le Baswahili. C'était un conflit entre les régimes qui ne supportaient pas, par exemple, les gens de Monassem qui menaçaient le régime. Mais aujourd'hui, on vous apprend, les Baswahili et les Balouba se battre. Le gouvernement de Sama.
Il n'y a que des gens de la même province. Non, en politique, il y a ce qu'on appelle... En fait, j'ai compris, c'est lui qui te parle, c'est en politique. Son directeur de cabinet. En politique, il y a ce qu'on appelle, on peut te donner... J'ai compris ta question. Oui. On peut te donner les postes politiques, mais sans les pouvoirs politiques. Parce qu'il y a l'article 91, on parle... Lorsqu'il y a la formation du gouvernement, il faut respecter ce qu'on appelle les principes des géopolitiques. Mais on peut te prendre, vous, Dan, là. On dit, alors, lui, il est du Congo central. Bon, pour ne plus équilibrer, on vous met là-bas. Mais vous êtes une étiquette. Qu'est-ce que Sama Lukonde représente? Il représente quoi? Ils représentent quoi? Ce sont des gens qu'on utilise comme ça, ce sont des pions qu'on utilise, ils n'ont pas le pouvoir. Il y a des conseils qui sont plus puissants. Est-ce que tu peux comparer ça pour le compte de Kazari? C'est celui qui gère les finances. Donc, et le dernier point, c'est la gouvernance intègre. Je crois que vous avez suivi Martin Fallou chez votre confrère Christian Top Congo. Il est allé même plus loin. Il dit, je ne vais même pas toucher les salaires. Vous comprenez? Donc, nous allons imprimer ce qu'on appelle la gestion intègre. Commençant par les premiers citoyens jusqu'au dernier. Chacun, les Congolais saura les salaires du président de la République. Contrairement à Félix, aujourd'hui qui n'a pas un salaire. Même dans les pays africains ici, les salaires de Sénégal ici. Il s'appelle encore, j'ai perdu encore son nom. Makissa. Tous les présidents syriens ici, ils ont des salaires. Mais nous avons un président frère qui en Christ est chrétien, qui n'a pas un salaire. Il paye sa dîme comment? Mais ce sont des indicateurs qui attestent que vous êtes dans un pays corrompu. Parce que quand on a un salaire, la population peut évaluer tes biens immobiliers et immobiliers. Pasteur, on va conclure. Vous êtes aussi pasteur, vous êtes aussi homme de Dieu, vous êtes politique. Alors, on va conclure en une minute. Oui. Dites-nous, la population qui vous suit, pourquoi Fayulu en 2023? Pourquoi Fayulu en 2023? D'abord, ce qui est important, ici je parle comme un compatriote. Je crois que je vous ai relevé ici tantôt. C'est que depuis l'arrivée de l'AFDEL, certes, nous avons chassé, nous avons fait des marches ici avant que l'AFDEL arrive ici, de chasser Mobutu, Mobutu doit partir. Il y avait même des cercueils ici à la fonction publique qu'on a fait. Moi, j'ai connu la grève des enseignants, c'est depuis les années 90-91. Là, l'AFDEL n'était pas encore là. On doit dire des choses vraies. Mais on n'a pas voulu se débarrasser de Mobutu pour amener des médiocres. Ces gens ici sont venus. Aujourd'hui, on parle de plus de 27 millions de Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Vous ne répondez pas. Donc, choisis Martin Fayulu, pourquoi? Parce que le Congo a perdu ce qu'on appelle l'identité collective. On n'est plus homme. On n'est plus homme. Imaginez par exemple, je crois peut-être que c'est le secteur de la culture, hein, où il y a des faliers, les autres là, qui émergent quand même. Donc, si tu peux me citer un seul secteur où les Congolais peuvent dire que le courant est le premier. Donc, avec Martin Fayulu, comme c'est un homme compétent, merci beaucoup. C'est un homme crédible, c'est un homme qui a un engagement qui n'est pas démontré. Non, non, permettez-moi même une minute. Donc, il a un engagement qui a prouvé à la face du monde que c'est quelqu'un qui aime son pays. Donc, donner, ça dit, aller le 20 décembre 2023, reconduit, parce que nous nous considérons jusqu'à présent du contraire, c'est un président qui a été élu, mais il a été, le pouvoir a été confisqué comme en 2006, en 2011 par les ennemis du pays. Donne-lui son pouvoir et qu'il récupère son imporum pour gérer ce pays de la manière orthodoxe, pour amener le Congo dans la bonne destinée. D'accord. Donc, il faut mettre nos amis, si nous l'aimons beaucoup, merci, comme Tshibambela. Donc, on va choisir par exemple les Jacques, mais il y a aussi des intérêts. Je cherche d'abord mon aîné, Jacques Kenda. Les gens qui nous ont miroité, qui nous ont donné le bout de servir le pays. Merci. Donc, on va chercher l'intelligence qui sont là pour gérer le pays. Merci nous, beaucoup. On ne va pas aller faire la chasse, oh, Luka Baluba, Baswahili, le Bangala. Non, merci. On va gérer ce pays avec Martin. D'abord, c'est un frère Christ, un homme de Dieu. Merci il paye sa dîme de la manière transparente. Merci non beaucoup. Comme les gens qui payent la dîme, mais non pas des salaires. merci beaucoup, monsieur. Et c'est le numéro 21. Voilà, Martin Fayulu, fidèle de l'église Philadelphie. On espère qu'il n'a pas quitté l'église, hein, parce qu'à un moment donné... Non, il a quitté, il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus. Monsieur Honel, tu vas me terminer avec vous. Mais lorsque les hommes de Dieu n'arrivent plus à dire la vérité. Il a fui l'église depuis 2020. Donc, il n'est plus il vient plus. C'est pas toi le pasteur là-bas, frère. On va poser la question au pasteur Roland Dallo, si Martin Fayulu à sécher cette église. Que je salue Martin Fayulu là où il est, je le salue. Je salue également tous les candidats. Alors, M. Manuel Tshibambe, on ne va pas simplement se limiter à l'aspect lutte contre la corruption, détournement. De façon globale, pourquoi est-ce que les Congolais doivent à nouveau choisir Tshisekedi pour les 5 prochaines années? Je l'ai déjà dit, mais l'abondance ne nuit pas, donc je peux répéter. Oui. Les Congolais doivent réélire Félix Tshisekedi pour que notre pays soit uni, pour l'unité du pays,
pour la prospérité et surtout pour tout ce qu'il a eu à offrir le pays pendant cher ami, nous ne sommes pas Fadenhaus. S'il vous plaît. Je les relance. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés, messieurs. Allez, arrêtez. Vous avez eu votre temps ici. Vous avez eu votre temps ici. Vous avez fait des affabulations. Vous avez fait des élucubrations. Laissez-moi parler, messieurs, s'il vous plaît. Ne m'en pas. S'il vous plaît. Allez, ce n'est pas vous qui déterminez que celui-là dit la vérité ou celui-ci qui dit faux. C'est pas vous, vous n'avez pas la balance des mesures. Soyez disciplinés, nous sommes sur un plateau de télé. Nous ne sommes pas sur une chaîne. Ne perdez pas votre temps. Je disais, les Congolais doivent relever Tshisekedi pour l'unité du pays, pour la prospérité de notre pays et pour toutes ces entreprises faites lors de son premier mandat. Il a besoin d'un second mandat pour qu'il puisse parachever très bien le peu de chantiers qui restent. Souvenez-vous, aujourd'hui, il y a 6 millions de familles qui ont renvoyé leurs enfants à l'école grâce à Tshisekedi. Grâce à sa volonté volontariste, il a instauré la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles. D'ailleurs, je vous annonce, moi j'ai un bébé à la maison de 4 mois. J'ai bénéficié de la gratuité de la maternité. Là, ça fait Tshisekedi. Je crois aussi la femme de mon frère en face, pasteur. Je ne peux pas prendre ces risques là. Non. Ça veut dire tous les hôpitaux. Hein, il faut aller aux hôpitaux. Quel hôpital? Les meilleurs d'ailleurs de notre pays. Je peux vous citer. Par exemple. Mamayemo, Ngalema. Oui. Mais il faut aller à Ngalema. Votre femme va accoucher gratuitement, sans payer même pas des aspirines qui coûteraient 500 000 francs. Pourquoi pas aller là où Félix s'est fait soigner? Pourquoi pas? Il s'est fait soigner ici. En Ngalema. Ici, en Ngalema. Oui. Mais vous n'avez pas d'information. Il s'est fait soigner en Ngalema. Ses enfants, s'il vous plaît. Il était en mission de service et il a profité, passé son contrôle où il s'est trouvé. Ce n'est pas exclu. Et pourquoi rentrer dans son pays? Non, mais maintenant, l'exigence médicale a fait qu'il puisse s'examiner là sur place. Ça, on ne peut pas exclure ça. Ses enfants se font soigner ici en Ngalema. C'est ici au pays. S'il vous plaît. Donc, je sais que prochainement, lorsque maman sera enceinte, il faut l'amener en Ngalema. Elle va coucher gratuitement. Et c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une réalité. Vous la prenez aux États-Unis, en France, mais c'est une réalité au Congo. Ah oui, c'est une réalité. C'est grâce à Tshisekedi. Donc, vous voyez toutes ces entreprises-là. Tshisekedi a donné des lots à boire que lui et Martin Fayulu, à l'époque, n'ont pas pu donner aux Congolais. Martin Fayulu a travaillé avec M. Kabila. Il était président de l'ECOFIN, de notre Assemblée nationale, du régime Kabila. Ça, il faut que les gens se comprennent. Donc, le président de l'ECOFIN. J'ai oublié avec beaucoup de respect. Non. Rogen Tsing. Il était dans le dossier de le Kimbuka. Rogen Tsing a expliqué tout ça. J'ai touché le point saillant. Donc, c'est un faux débat. J'ai touché le point saillant. Et voilà maintenant. Donc, appelez Rogen Tsing. Voilà maintenant. Voilà, il se comporte comme un chat enragé. Parce que j'ai touché. Il ne croyait pas que moi, je pouvais savoir. J'ai touché un point saillant. Et voilà, il est déboussolé. Martin Fayulu a travaillé. Il était président de la commission économie et financière au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il rendait compte à monsieur le président de l'Assemblée provinciale à l'époque, qui avait des liens avec le pouvoir. Donc il a travaillé d'une manière ou d'une autre. Tu sais qu'il est venu dans moins de 5 ans. La commission avait des liens avec le pouvoir. Oui, cher ami. C'est pourquoi moi j'exhorte à mes compatriotes, nous ne voulons pas des candidats qui viendraient nous donner des discours mielleux, qui nous parleraient, voilà, ils vont transformer le pays. Au moment où ils avaient été au pouvoir, à la gestion du pays, ils n'ont rien fait, ils ont détruit nos sociétés, la SNCC qui s'est affaissée. Mais vous avez le pouvoir, entre autres. Invitez ces gens-là à la justice. Tshisekedi a ressuscité la SNCC. Tshisekedi a acheté plus de 20 locomotives. Maintenant, le passif que la société a perdu. Tu comprends? Donc, si vous n'avez pas d'informations, je vous renseigne que la SNCC a recouvré. On prend les pouvoirs pour moi, c'est pour corriger. Félix a dit n'a pas l'état de fouiner dans le passé. Donc, je vous ai dit, c'est pourquoi, pour que je termine, après avoir voté Tshisekedi le 20 décembre 2020,
il faut voter Monsieur Emmanuel Tshibambe, que je suis. Fais même je ta suis campagne candidat là, député national à la Lukunga au numéro 488. Nous devons donner la majorité au président Fatshi pour que nous puissions plus encore ressasser, revenir sur, vous voyez, les querelles FCC-CACH, parce qu'on n'avait pas la majorité. Cette fois-ci, donnez-nous la majorité. Vous allez arranger les pouvoirs. Votez M. Emmanuel Tshibambe Koni Kanyama, 488 à Lukunga, à la députation nationale. Merci beaucoup. Fatshi a dit que Kabila, le peuple lui a donné la majorité pour la présidence. Alors aujourd'hui, tu viens encore... beaucoup à monsieur Serge Taboukou. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs. Si les messieurs étaient à téléphone ouvert, on m'en a des peuples. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, vous allez retrouver mon estimé confrère Daniel Kamboa qui va présider ce débat, le débat de demain. On vous dit donc au revoir et merci énormément de nous accompagner tous les jours. Sans vous, nous n'existerons pas. Portez-vous bien. On se retrouve vendredi.